Konnichiwa les amis, aujourd'hui 253e jour de l'aventure réveil à Hiroshima. Alors, j'ai fait une grande grasse matinée ce matin, j'ai pas mis de réveil parce qu'en fait je me suis endormi avant même de publier le vlog d'hier, mais j'ai bien dormi. Alors même si voilà, je vais pas récupérer en une nuit tout le sommeil que j'ai de retard, mais ça fait quand même du bien là d'avoir passé une bonne nuit. J'ai l'impression que cette ville m'invite à me reposer. Et ça, c'est plutôt agréable. Non, demain, il faut que je mette un réveil pour demain. Mais donc voilà, j'ai bien dormi. Alors, je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, je vais aller me balader du côté du parc du Mémorial de la Paix. Alors, il y a un grand dôme qui est une structure qui a été conservée d'époque. D'ailleurs, la bombe a explosé quasiment au-dessus. Il y a ensuite un musée qui a l'air très intéressant. J'étais pas chaud au départ, finalement j'ai lu des informations. Ça a l'air assez intéressant, ça vous explique comment était Hiroshima avant, après la bombe évidemment, et puis enfin voilà, comment Hiroshima a évolué avec cette catastrophe. Ça a l'air très très bien, je vais aller le visiter. Donc je pense que je vais passer une partie de l'après-midi dans le parc, et puis ce soir j'irai plutôt vers le centre. Hier je l'ai vraiment traversé vite fait. Donc j'irai voir un petit peu à quoi ça ressemble là, le centre, un petit peu l'animation de la ville. Et puis là vous voyez, j'ai marché depuis 20 minutes là à peu près depuis mon hôtel. Je suis au bord d'une rivière, en fait c'est la rivière Ota qui arrive du nord. Et en fait elle se divise, elle forme un delta ici là dans la ville d'Hiroshima. Elle se divise, j'ai regardé sur la carte, elle se divise en 6 branches. Donc c'est pour ça hier vous avez vu, je vous ai fait plusieurs images de ponts. Et ça c'est plutôt agréable en fait, il y a des rivières qui traversent la ville comme ça du nord au sud. Et c'est assez sympathique, vous voyez, j'ai des petits bancs et un genre de mini parc aménagé le long de la rivière. Et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, c'est parti, je vais marcher tranquillement en direction du parc du Mémorial de la Paix. Messieurs, dames, je vous retrouve dans un nouveau quartier. Alors, j'ai fait la visite du parc du Mémorial de la Paix. C'était plutôt sympa. Alors, il y a plein de choses qui sont évidemment, qui sont là, dédiées, consacrées à la bombe atomique, un cénotaphe, une flamme. Et puis, il y a le dôme de Genbaku, c'est ça. Alors, je vous ai dit ce matin que la bombe avait explosé juste au-dessus. Alors, pour être précis, c'est pas vraiment au-dessus, c'est au-dessus d'un hôpital qui se trouve à 130 mètres. Voilà, précision rectifiée. Et puis ensuite, ouais, je suis allé au musée. Alors, le musée, franchement, c'est plutôt pas mal, je vous le conseille. Il est pas très très grand, mais il y a pas mal d'informations à l'intérieur sur voilà, avant, voilà, le passage de la bombe, et puis la reconstruction après, les dégâts matériel, aussi physique bien sûr. Enfin c'est plutôt complet comme musée, c'est pas mal. Je vous l'ai dit, après je voulais continuer vers le centre d'Hiroshima, plutôt vers le quartier restaurant, shopping et tout. Et puis finalement j'ai changé d'avis, j'ai pris un bus, je suis retourné à la gare ferroviaire, j'ai pris ensuite un train, je suis arrivé dans le quartier de Mitaki. Apparemment il y a un temple qui se trouve sur les hauteurs de la ville, là dans la montagne, qui est très très chouette. J'ai vu quelques images, ça a l'air vraiment super paisible. Je vais aller là-bas, par contre je sais pas si ça ferme ou si ça reste ouvert. Je sais pas quelle heure il est, mais l'après-midi est déjà bien avancé. Pense en petite pause cigarette, café au Family Mart. Et puis je poursuis la route vers le temple, je crois que c'est un temple, ou c'est un sanctuaire, non c'est un temple, le temple de Mitaki.
les amis. Alors, je suis rentré très tôt ce soir, c'était une petite journée. J'ai commencé la journée évidemment ce midi, je suis rentré ce soir, il était 19h. Alors, le temple de Mitaki, malheureusement, ça a fermé très tôt. Je suis resté juste à l'entrée. Je suis resté peut-être, allez, une demi-heure, mais j'ai fait pas mal d'images à l'entrée. Ça avait l'air très très sympa. Par contre, il y a un monsieur qui était là, il y avait d'autres visiteurs aussi. On ferme le temple, donc voilà, tout le monde est parti. Je pense que je vais y retourner, alors pas demain, parce que demain, je vais sur l'île de Miyajima, mais après-demain, j'ai encore prévu de rester à Hiroshima. Donc j'y retournerai probablement, parce que ça avait l'air très très sympa. Je vous ai fait que quelques images aujourd'hui. Et puis retour ici à l'hôtel, je suis passé au Family Mart. Petit bento à 490 yens, karaage, poulet frit avec du riz, un peu d'omelette, de la viande hachée encore, petits légumes verts à côté, vraiment très très bon. Voilà, je suis très content parce que il est 9h10 exactement, j'ai quasiment fait le montage, il me reste évidemment à intégrer la vidéo que je suis en train de vous faire, après il faut faire le rendu, il faut que j'attende un petit peu, après que je mette sur YouTube, que je charge, mais ici la connexion internet est plutôt très très bonne. Donc ce soir, je vais peut-être réussir à me coucher très tôt, et ça fait une éternité que ça ne m'est pas arrivé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Hiroshima en direction de Miyajima. Ciao, good night.